suis Dr Pierre, je suis actuellement au centre ophtalmologique de l'Université catholique du Graben. Ce lopin de terre est consacré exclusivement à l'hôpital de l'université, qu'on appelle les cliniques universitaires du Graben. Nous sommes ici exactement pour prendre quelques images de l'état des lieux, de l'équipement et de certains actes qui se posent sur ce lieu. Et nous allons bientôt aller dans la salle d'opération de l'ophtalmologie, financée par le Christopher Blind Mission, CBM, et l'Église catholique. Docteur Mumbe, qu'êtes-vous en train de faire maintenant? Je suis en train d'opérer un malade qui souffre d'une hypertension de l'œil qu'on appelle glaucome. Et alors, c'est parce qu'il y a un surplus d'eau dans l'œil qu'il y a une hypertension. Alors, nous faisons une fenêtre au niveau de l'œil pour évacuer donc ce surplus d'eau et ramener la tension à la normale. Combien de cas de glaucome êtes-vous en mesure d'opérer dans cette institution chaque mois ou chaque année? Nous opérons plus ou moins par an entre 80 et 100 cas de glaucome. Impressionnant. Et quelle est l'évolution post-opératoire? Êtes-vous satisfait de cette évolution? Oui, dans 80% des cas, la tension est normalisée. Mais dans certains cas, ou bien il y a une hypotension, donc la tension est trop basse. Et souvent, ou bien il faut réopérer. Ou bien à 2-3 semaines, on observe. Et en général, dans 80% des cas, la tension revient à la normale. Mais en cas d'hypertonie, c'est assez rare aussi. Post-opératoire, là nous devons faire encore une deuxième opération, ou bien on le met sous traitement médical. Et merci pour cette réponse là. Et pensez-vous que les conditions dans lesquelles vous opérez sont satisfaisantes et que vous pensez que l'équipement que vous avez est ce que vous devez avoir? Je pense qu'on ne peut pas dire que l'équipement que nous utilisons est suffisant. Parce que dans la plupart des cas, nous faisons vraiment du bricole pour parvenir à opérer les malades. Le matériel adéquat est presque inexistant. C'est comme ça que nous utilisons les porte-lames gilettes. Donc ce sont des lames gilettes que nous utilisons.
hein, pour faire les incisions, pour qu'on bisturie. Donc c'est parce que nous n'avons pas de matériel nécessaire, parce qu'il y a des bisturies spéciales qui aident pour l'incision, par exemple. Ça, c'est un des exemples pour dire que c'est vraiment sur le bord que nous sommes en train d'opérer. Alors, en ce qui concerne, tu vois, le microscope, c'est un microscope, disons, on peut dire, de brousse que nous utilisons, alors qu'ailleurs, ce sont des microscopes sophistiqués. Donc, c'est vraiment, nous travaillons juste avec l'équipement nécessaire pour faire ce que l'on peut faire, mais ce n'est pas suffisant. Merci, docteur. Un mot sur votre carrière. Combien d'années avez-vous déjà accumulé en train d'opérer les yeux des malades? Cette année, en fait, je ferai 30 ans en tant qu'ophtalmologue. Donc, ça fait que on a déjà fait beaucoup de choses, d'autant plus que nous opérons, ces derniers jours par exemple, nous opérons plus de 1000 cataractes par an. Donc vous pouvez calculer combien de cas on a déjà opéré jusqu'à présent. Très très impressionnant. Et je vais ajouter que, à part votre main qui est en train de guérir les yeux des malades, vous êtes aussi doyen et professeur à l'université du Graben. Les étudiants, combien d'étudiants avez-vous aligné pour la formation pour devenir futur opérateur de cataracte dans votre institution? Bien, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore commencé comme telle une formation d'opérateur de cataracte, mais nous avons par exemple des assistants qui viennent de l'université de Kinshasa, qui viennent faire leurs travaux d'études ici. Ils en profitent aussi pour apprendre à faire la cataracte, puisque à Kinshasa, ils ont moins de cas qu'ici. Ils profitent donc de leur passage ici pour apprendre à faire la cataracte. Nous avons par exemple le docteur Ali qui vient de Kinshasa. Nous avons aussi des médecins qui sont des OP4 qui, après avoir terminé leur formation à Kinshasa, viennent donc parfaire la chirurgie ici chez nous. Très très impressionnant, et je dois avouer que vous êtes l'un des experts et vous êtes l'unique, si pas parmi les rares ophtalmologistes qui ont accepté de vivre à l'intérieur du pays et travailler avec les paysans dans des coins inaccessibles. Et après une carrière si impressionnante, est-ce que vous avez un mot pour les jeunes? Oui, bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que les jeunes, souvent, ils pensent que l'ophtalmologie n'est pas intéressante parce qu'elle n'est pas payante. Ils préfèrent aller faire la chirurgie ou la gynéco. Ils croient que là, ils auront plus de facilité, plus de moyens de s'enrichir. Mais il y a aussi des professions qui sont aussi très, très intéressantes qui, disons que dans le cadre de l'ophtalmologie, c'est surtout quand vous opérez un aveugle et que cet aveugle commence à voir, ça vous donne vraiment beaucoup plus de plaisir que d'aller gagner beaucoup d'argent en chirurgie ou en gynécologie. Monsieur le doyen et professeur, nous vous remercions. Monsieur Kawaita, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, j'ai encore une bonne mémoire des tournées que vous avez réalisées dans les brousses et les villages environnants. Êtes-vous toujours dans des missions dans les différents villages? Exactement. C'est depuis 15 ans qu'on veut l'étudier. Vous savez que tout le monde est pour ça. Et quel est votre niveau de satisfaction pour cette carrière si impressionnante? Bon, en fait, c'est pas si facile pour que... On a pu s'arrêter avec la situation du Congo, le temps de vraiment diminuer l'insécurité, le temps de lutte pour vraiment atteindre les grands points où il y a vraiment la ville de Butembo. C'est vraiment difficile, c'est pas facile à réaliser. Oui, je me rappelle des tournées où on a eu à traverser des coins qui n'étaient pas très très rassurants. Des coins vraiment reculés où on a une instabilité.
sociale. Comment vous avez tenu? Oh, ça n'a pas été facile parce que nous avons dit qu'on était, c'était juste l'année passée, en 2009, en province orientale. Ils ont dit être kidnappés par la LRA, nous avons dû passer vraiment 3 jours en brousse, ça nous a fait vraiment très difficile à supporter, mais ça nous a dû échapper vraiment. C'est tout à cause de la mission que nous avons effectuée, tout à cause de la cécité. Oui, je comprends très bien qu'aller travailler là où des hommes armés disciplinés sont en train de faire la loi, ce n'est pas si facile. Mais qu'est-ce qui vous anime d'aller dans des camps pareils? Oh bon, c'est la mission qui c'est pour la mission vraiment que nous sommes obligés. Impressionnant. Oui. Oui. Vous avez eu la chance de travailler avec un des grands experts, spécialistes en ophtalmologie. Quel est votre niveau de satisfaction pour le travail que vous réalisez? Ok, bon, de toute façon, je suis satisfait du travail que ça a été réalisé en personne. Pourquoi pour ne pas me prévaloir d'abord, mais je crois qu'on ne s'apprécie pas de soi-même. Mais c'est avec le temps et l'endurance qu'on peut arriver à faire ce que vous faites. Un mot pour les jeunes qui veulent embrasser ce métier. Ok, mais je vous ai parce qu'avec avec les 15 ans, il faudrait que les jeunes puissent vraiment embrasser la bonne carrière, parce que dans l'autre bientôt, vers la fin de notre passion. Il faudrait qu'il y ait quand même certains jeunes pour vraiment relever la situation. Parce que c'est une mission continue. Il n'y a pas de durée exacte vraiment. En tout cas, je suis fier de toi et je vous encourage de continuer à aider notre pauvre population. Ok, merci.